Bonjour à tous, c'est Mephild et aujourd'hui on se retrouve pour souffrir sur Final Fantasy IV les années suivantes. On pensait qu'avec Kane ça allait pouvoir rouler, aller comme sur des roulettes. Au final, pour l'instant ça pique un petit peu. Ça pique un petit peu et j'ai l'impression que je vais devoir faire du pex dans mon coin. Et on se fait qu'embuscader. On passe son temps à se faire embuscader, c'est une horreur. Pas possible. Et là, ça va être la ponction. Aïe. Allez. Une ponction, non, mais... Tu vas nous mettre un petit tsunami 30 normalement. Ouais, 35. Allez, Seodor, tu le tues. Oh là là, mais non, pas Seodor, tu meurs. Je rate les 6K d'XP sur le Tantan. Tac, on est reparti. La queue de Phoenix. C'est juste la 5ème qu'on utilise sur toi, Jean-Jean. C'est pas grave. N'importe quoi, ce jeu. C'est n'importe quoi. Faites des phases où faut qu'on XP. Là, tu me files deux types. Ils doivent sauter une montagne. Qui ensuite se retrouvent contre trois gardes et qui meurent. Et de là. C'est clairement la loose. Seodor n'arrive pas à Apex parce qu'il fait que clamser constamment. Donc là, c'est la sortie. On va se faire attaquer. Je vois la lumière du jour. Nous ne sommes pas encore au bout. Reste sur tes gardes. Bien reçu. Allez. Je vois que tu as fait sortir tout le monde pour m'accueillir. Je suis touché par tant de courtoisie de ta part. N'est-ce pas? Alors si Edward m'oppose de la résistance tant que Kane. Et si tu continues à te lancer en me mettant bien gentiment le cristal du feu, pardon. Alors c'est ça que tu cherches. Pour ainsi dire, même si ce n'est pas mon principal objectif. Quel est-il alors? Tuer Cécile. Es-tu allé le voir? Pas encore, c'est en fait la raison de ma présence ici. Je vois, mais au risque de te décevoir, je préfère garder mon cristal. Même si tu dois y laisser la vie. Il faut croire que oui. Alors laisse-moi en finir tout de suite. Kane, arrête! Rosa. Oh là, j'en ai... Ces switch comme ça, c'est juste horrible. T'as intérêt à avoir le cerveau bien accroché et pas à faire un marathon comme moi en te disant un coup je fais une vidéo, un coup non, un coup oui, un coup non. On va faire quoi ici à part se taper contre une grosse bébête? Ah oui, c'est vrai qu'on peut sauter. Une impasse. Alors regarde, tu vas glisser tout seul. Tu penses avoir assez de cran pour sauter? Oui, bien sûr. Hein? Bien, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Vous allez voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Rosa. Kane? Rosa? Kane? Ne me dis pas que tu es encore. Non, j'agis de mon plein gré cette fois-ci. Vraiment? Sauf qu'on a Kane, le vrai chevalier noir, quoi. Et quand j'aurai tué Cécile, tu seras à moi, Rosa. Kane! Elle est toute chamboulée. Et on a compris qu'ils étaient encerclés, merci. Alors fuyez par contre par la gauche, chacun seul mec. Bien,
Je n'ai pas toute la journée. Donne-moi le dernier cristal. Je croyais pourtant avoir été clair. Quoi ? Il n'en est pas question. Édouard, ouvre la petite boîte. Bien ouais-je. Bambo ! Reconnais-tu cette boîte ? Enfin, cette bague ? Tous les gardes vont périr, quoi. Sauf Kane et les deux. Une bague de cornaline. Un petit souvenir de baronne. Oh, le mec, il a fait tant mieux, ça m'arrange. Il a fait péter son château, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire avec ta lyre, Jean-Jean ? Mais non, mais en plus, il est renforcé avec les attaques à distance, mais c'est n'importe quoi. Et il y a Rosa avec les... Oh. Si on dit qu'on va sauter Rosa, c'est limite, non ? Et on rate en plus, bah oui, tant qu'à faire. Bon, d'accord. Ça sent le fight à sens unique. Non, on va sauter sur Edouard, tiens. Mais elle va le soigner. Hush ! Kane, arrête ! Rien du tout. À 1300, tu crois que tu me fais rigoler, toi ? Voilà. Incroyable. On pouvait pas attaquer Rosa. Bah oui, on peut pas suivre Rosa en même temps, forcément. Je dois la récupérer. C'est bien fait comme jeu. Alors, c'est ça que tu veux réellement ? Édouard ! Ah, oui, c'est exactement ça. Tu ne peux résister, Rosa. Ah, d'accord, c'est un peu plus du viol, là, quand même. Tranquille, Kane. Nous voici de retour dans la piscine. Pendant que Séodore prenait son bain, continuons à nous faire exploser la face. Un crocodile, tu vois, qui va nous défoncer le croco. À lui tout seul. Je veux dire, est-ce qu'on va pouvoir pex, mais rien du tout. Oh oui! Dis-moi que tu donnes pas que 500 d'XP. Mais vas-y, là, 900. Il va jamais pex, le petit, là, c'est pas possible. En tout bien, tout honneur, monsieur, peux-tu te heal réellement? Cimer. Ça pue le boss, ça pue le poulpe, non ? Sauf que là, on n'a pas Palom, là. Hein. Oh my god, allez. Voici le 15ème fail. Voilà, ça c'est Dodo. Oh, un tué. Allez, boum, ça c'est Bisou. Voilà, la petite ponction, la petite attaque à 400. Franchement, ça va se passer un poil de fesses. Hein. Normalement, on win. On est tellement sur de la chance. Et les 5008, c'est même pas pour Jean-Jean. Non, mais j'en peux plus. Comment tu veux expé un type qui passe son temps par terre ? Je peux rien faire pour ça. Il est clairement dans une impasse. Il est clairement dans une grosse impasse. Ah, ça aussi. Coffre piégé ? Colère des dieux. Ah mais non, on peut remonter là-haut, autant pour moi. Autant pour moi, je n'avais pas vu le bon chemin. Je m'a trompé, chat désolé. On voit plus la lumière là, hein. Là on s'engouffre. S'engouffre bien profond. Là. Allez, c'est pareil. Qu'est-ce que tu veux faire, je pense.
fonctionne, que le gros, c'est bien. Laisse le petit, le gros s'il peut attaquer. C'est bien aussi, c'est bien aussi. En vrai, normalement, la ponction... Là, franchement, il devrait pex. Je devrais manger les 5000. Là, il devrait... Yes, CO2 augmente. Tac. Magie. Est-ce qu'il apex? Incroyable. Mais oui, clairement, je suis en manque de pex. Clairement, j'aurais dû aller farmer en off. On aurait zappé la soirée dans ces cas-là. Et j'étais bloqué au milieu du donjon. Une embuscade, cette fois-ci. Cette fois-ci, Céodore, il va mourir. Cette fois-ci, Céodore, c'est la fin pour toi, loulou. Mets un coup d'épée au moins, s'il te plaît. Bien joué. Enfin, les chauves-souris avec leur ponction, par contre. C'est un poil relou. Mais non, Céodore survivrait-il? Est-ce que si ça arrive à zéro, il meurt? Ouais. Ouais. Merci. Bon. Alors, hop, queue de phénix. Pas comme si on était à la septième. On te donne. Est-ce qu'on a un éther? Oui, allez, hop. Juste un éther histoire de me heal. Hein. Et seulement pour ça, mon grand. On est bien. Parce qu'en plus, XP dans combien de temps, toi? Plus il XP sur rien, on aurait pu prendre 4 niveaux depuis le temps, en fait. 3000. Parce que là, je sais qu'on se rapproche. En fait, j'en ai marre de ces monsieur. Ces messieurs me disent. On va passer le combat, du coup. Tac, bah tant qu'à faire, il y en a un qui est encore par terre. Il n'y en a qu'un seul qui pex, c'est fou ça. Hein. Il n'y en a qu'un seul qui pex. Il y a encore de la magie, donc on va utiliser sa magie. On va remettre un Gnether là-dessus. J'ai tellement peur pour le boss là. De me dire qu'il faut que je fasse la marche arrière, oui et non. On va charger la partie que j'ai dit qu'on allait faire l'apex. Tac. Il y a une issue derrière la chute d'eau. Céodore, attends. On dirait que nous allons devoir nous battre si nous voulons sortir d'ici. Alors... Pieuvre au Kraken. Alors, avec de la foudre, c'était super bien. Là, je suis pas 100% sûr de ce qui va se passer. Hein. On le cache pas, on va toile d'araignée. Ça, c'est pas mal. La petite lenteur sur tous. Il a beaucoup trop de tentacules, genre. Et on ne tape que sa tête. Coopération. Taillade croisée sur la... Oh, l'autre, il m'a fait du 600. Non, mais non, mais non. De toute façon je suis mort. Ma magie blanche en plus elle est réduite. Voilà. Bon bah c'était magnifique. Votre équipe est vaincue. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouvera devant ce boss à la prochaine vidéo. Donc une vidéo plus courte que d'habitude, mais parce que là ça sert à rien de forcer. Je me fais défoncer, donc je vais charger une magnifique partie.
qui va être la fameuse Kane 3. Et je vais aller tout simplement Pex ici, voilà, pendant X temps, histoire de monter les persos qu'on puisse gérer un petit peu. Je pense qu'on va peut-être essayer de s'acheter, j'ai pas été voir mais ça m'étonnerait, mais des armes de meilleur calibre. Tac, on va voir ce qu'on a sous la main, lame de corail, lame de feu. Ah mais lame de feu à 14k les gars, par contre ouais, 76, 73. Alors on va Pex pour acheter une lame de feu. Ça peut être assez intéressant. Voili voilou. Allez, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine en espérant qu'on termine ce jeu. Fissa, fissa. Sur ce, je vous laisse. Des bisous. À bientôt. Ciao, ciao.